Les fans de Koh-Lanta sont sous le choc après des révélations très troublantes sur le sombre passé d'un candidat. On vous en dit plus. Alors que la célèbre émission de TF1 a repris du service il y a quelques semaines pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, le média suisse 24h a dévoilé des informations très inattendues sur Gustin, membre de l'équipe rouge des Pitogo. On apprend en effet que le maître nageur de 26 ans est actuellement poursuivi en justice en raison d'une affaire qui remonte au 6 août 2023. Cette nuit-là, aux alentours de 2h30 du matin, ce dernier aurait été mêlé à une violente altercation. Sous l'emprise de l'alcool, il aurait frappé violemment un homme, mais aussi une jeune femme, en charge de la sécurité dans une salle de concert de la commune d'Yverdon, en Suisse. Interpellé dans la foulée par les forces de l'ordre, Gustin se serait ensuite débattu et aurait multiplié les crachats dans la voiture de police sur la route du commissariat. Bénéficiant de la présomption d'innocence, il devrait être jugé très prochainement. Voilà en tout cas un scandale que personne n'avait vu venir.